Nous sommes actuellement à l'intérieur d'un parc complètement abandonné. Et en plus de ça, il est actuellement 3h du matin. En effet, la situation est assez critique puisque regardez un petit peu autour de nous. Le parc est totalement vide, il n'y a personne à l'horizon. À part une personne qui aurait été retrouvée très récemment. Il s'agit évidemment de Mercredi Addams. Et aujourd'hui, notre objectif va être de dormir dans ce même parc et espérer retrouver Mercredi Addams. Et pour cela, je suis pas tout seul puisque je suis en compagnie de Talcado. Ouais, 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 salut, salut. Et donc avec Talcado, on va essayer de retrouver Mercredi Addams. Dis-moi, la dernière fois que t'as vu Mercredi Addams, sur quel jeu elle était exactement? Tu peux me dire? La dernière fois que je l'ai vue, elle était en train de faire de la balançoire, Twinner. Mais attends, la balançoire, elle est pas juste un petit peu derrière, vers là-bas? Si, si, regarde, elle est juste là-bas, on peut aller la voir si tu veux. Wouah! Attends, donc t'es en train de me dire que Mercredi faisait de la balançoire juste ici? Mais qu'est-ce qu'elle faisait là, Talcado? Elle est bizarre, non? Elle adore les aires de jeu. Tu peux voir, il y a plein d'autres trucs. Il y a aussi un toboggan qui est juste ici. Elle était aussi à l'intérieur la dernière fois. Mais attends, attends, parce que, ok, je suis venu avec Talcado, mais je crois qu'on est venu avec un autre invité. Il est où et c'est qui déjà? On est venu avec Souka, mais écoute, je sais pas où il est. On l'a perdu une fois qu'il est rentré dans le parc. Là, je sais pas du tout où il est. Bizarre. Bon, il faudrait déjà essayer de retrouver Souka, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, mercredi, Amara-san. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça là? Mais t'es sérieux ou quoi, Souka? Je suis en train d'invoquer Mercredi Addams, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Souka, moi et Talcado, on était venus ici pour essayer de retrouver Mercredi, mais toi, t'es carrément en train de l'invoquer, mais t'es fou ou quoi? Mais vous me dérangez là, les gars! Arrête ça, en plus, de quoi est-ce que t'es muni pour l'invoquer? Pour l'invoquer, c'est très simple, j'ai carrément pris une tablette Ouija, regarde-moi ça! Elle est trop stylée! Et c'est la vraie surtout, elle invoque tous les esprits du monde! Et c'est pas fini, on a même une poupée vaudou, alors ça, c'est l'élément principal! Et d'ailleurs, je peux le voir, mais t'as même un détecteur EMF! Ça veut dire que si Mercredi elle vient, il va se mettre à sonner au rouge, c'est ça? C'est exactement ça, et si ça devient rouge, on peut dire qu'on est dans le pétrin! Oh mince, mince, mince! Bon, écoute, Talcado, est-ce que tu penses que c'est vraiment une bonne idée de faire du Ouija au plein milieu d'un parc hanté, mec? T'en penses quoi? Je pense que c'est une super idée, surtout si c'est Souka qui le fait! Bon, bah, tu sais quoi, Souka? Je te laisse faire ton invocation, et si tu veux, je peux même venir t'aider, ça te dit que je me mette à côté de toi? Mais Tuner, tu vois bien que je me débrouille bien seul, qu'est-ce que tu me veux là-haut? Bon, ok les gars, je crois que Souka il se débrouille super bien lui tout seul, donc on va le laisser l'invoquer tranquillement. Vas-y Souka, essaye de l'invoquer, fais une prière pour Mercredi et ramène-la tout de suite. Mercredi, oui, viens. Oui, Souka, viens. Allez, vas-y, continue. Vas-y, vas-y, continue. Vas-y, vas-y, oui, vas-y, invoque-le Souka, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Oui, il le sent, il le sent quelque chose. Il sent quelque chose. Je sens quelque chose. Vous sentez pas? Mais il vient d'y avoir un bruit là où je rêve. What? Mais mec, je crois qu'il y a Mercredi qui vient d'arriver. Éteins-moi tout ça, éteins-moi tout ça. Oh mon dieu, ok, Tuner, ça ne devait pas se passer comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mec, je crois que c'est bon, t'as vraiment réussi à invoquer Mercredi. J'ai entendu plein de bruits super bizarres. Je crois qu'elle est là-bas. Ok, on va vite retourner dans la voiture, on va aller se cacher. Allez, go, 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 on part, on part. Déjà? Ok, ok, elle est où ta voiture? Faut vite qu'on y aille, vite. Bon, les potes, la meilleure idée, c'est qu'on aille dans la voiture. Évidemment, j'ai installé plein de caméras de surveillance tout autour. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu ce qui se passe dans la voiture et essayer de filmer Mercredi Addams. Du coup, les amis, c'est bon, nous sommes actuellement dans la voiture. On s'est mis évidemment un peu loin du parc pour que Mercredi ne débarque pas. Et dès maintenant, j'ai accès aux caméras de surveillance. Et du coup, Souka, Talcado, on va dès maintenant surveiller est-ce que Mercredi débarque, ok? Ok, vas-y, c'est parti. Est-ce que avant qu'on regarde, est-ce que vous pensez que Mercredi va débarquer? Il y a moyen, hein. Bah, j'espère pas, sinon, moi, ça risque de me faire flipper, moi. En effet, bon bref, 3, 2, 1, c'est parti, let's go. Bon, ok, ici, qu'est-ce que c'est que ça? On a une sorte de petite toile d'araignée, on dirait. Ça, c'est le truc qu'il faut escalader. Ouais, bon, okay. Très ça, bien. Faut grimper dedans, ouais. On va essayer de tourner un peu la caméra vers la droite, essayer de voir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Oh, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc où tu dois t'agripper, tu dois passer d'un bord à l'autre. En effet, c'est le truc pour s'agripper un petit peu. Ok, super. Et là-bas, je crois qu'il y a un petit toboggan là. Ah ouais, toboggan. Ok, bon, pour l'instant, on voit pas de Mercredi. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Moi, pour l'instant, mais pour l'instant, pas de Mercredi. On va changer de caméra et ok, ici, on a une meilleure vue par rapport au petit jeu ici là où il faut. Okay, une Mercredi Addams qui apparaît ou pas pour l'instant? Moi je vois rien. On va essayer d'attendre un petit peu. Regarde là. Hey, ici là, il doit à droite, à gauche. Mais regarde. Attends, j'ai vu quelque. Mais attends, mais les gars, mais vous avez bien vu Mercredi Addams qui est passé juste à gauche là? Mercredi ça? Mais oui. Bon, écoutez, on va changer de caméra, peut-être que c'est juste notre hallucination, hein, ça se trouve. On va regarder peut-être au niveau c'est de... C'est quoi ça? C'est un cheval à bascule? Ouais, c'est les trucs des deux côtés là. Juste derrière, vous pouvez le voir, il y a un petit tourniquet et à droite, bah, il y a aussi une balançoire. Une balançoire quoi. Et du coup, juste là, on a le toboggan, les potes. Peut-être que Mercredi va s'amuser à faire un petit coup de toboggan, non? J'ai pas l'impression. Bon, pour l'instant, ça va, c'est tranquille, ça a l'air d'être... Vous voyez quelque chose? Non, là, je vois rien. Non, de mon côté, je vois rien.
Ok, bon, tranquille. Pour l'instant, assez bizarre, rien de spécial vers ici. On va attendre un petit peu. Bon, écoutez, c'est quoi, on va changer de caméra parce que là, okay. Ici, on voit qu'il n'y a rien. Ah. Ok, oh, super. Okay. Nickel. Là, on a une vue sur un petit banc et là-bas. Elle est en train de danser en plus, les gars. Elle vient de disparaître. Elle a que ça à faire, mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Mais donc, du coup, on a donc bien maintenant la preuve que mercredi est bel et bien dans ce parc abandonné, les gars. Ok, bon, là, malheureusement, on ne la voit plus. Je vous propose qu'on change une dernière fois de caméra parce que j'en ai plus beaucoup d'autres. Ah, ok, là, on a la balançoire. Ça fait flipper un peu quand même. Je sais pas où. Là, pour l'instant, ça fait un peu peur quand même. On va essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose. Pour l'instant, on l'a vu deux fois mercredi. Là, on voit quand même que les balançoires, elles bougent absolument pas. Ça veut dire que mercredi n'est peut-être pas au niveau des balançoires. On va peut-être regarder encore une fois un nouveau truc parce que, ouais, les balançoires. En vrai, là, ça bouge pas, il n'y a même pas de vent, c'est tout tranquille. C'est tout calme. Ah, ok, le ponton. Oh, mais c'est mercredi. Elle est en train de danser comme Michael Jackson. Wow, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est Billie Jean. Elle a fait Billie Jean. Ouais. Elle a fait comme Michael Jackson. Elle a fait le moonwalk. Mais c'est incroyable. Par contre, elle vient de disparaître, elle est où? Mercredi, t'es là. Oh, elle attaque la caméra. Non, fais pas ça. Non, mes amis, je crois que mercredi vient de détruire la caméra. Et voilà qu'elle vient de disparaître. Elle a mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais elle est sérieuse là? Elle a repéré les caméras. Oh bon, non. Les amis, comme on peut le voir, mercredi a bel et bien repéré les caméras. Bon, t'as le cadeau, Souka. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Bah, on retourne dans le parc. On est obligé d'y aller, hein. Ouais, on met la caméra. Ouais. En plus, il y a mes caméras et tout qui traînent dans le parc. Bref, dès maintenant, on se retrouve dans le parc. Nous sommes de grand retour à l'intérieur du parc hanté. Et après toutes les images que nous avons vues dans la voiture, je peux vous le dire que nous sommes carrément choqués. Oh non, mais tu n'as mais t'es complètement malade de revenir ici alors qu'on vient de voir mercredi. Oh, j'espère qu'elle n'est pas dans les parages. Regardez par terre ce qu'il y a. Regardez, tout a bougé. Quoi? Mais regardez un petit peu. Elle a même fait tomber les bougies et on peut voir un petit peu de cire couler ici. Oh là 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 là. T'es sûr que c'est pas du sang ça? J'espère quand même que ce n'est pas du sang parce que c'est vrai que c'est un petit peu la couleur du sang. Souka, tu veux pas sentir voir si c'est du sang? Vas-y, Souka, mange, mange, mange. Je vais pas le sentir, je vais le goûter. Ah, mais qu'est-ce que t'as mangé? C'est du sang en fait. Bah gros, je connais pas trop le goût du sang, mais ça m'en a tout l'air. Et en plus de ça, regardez juste ici. On peut voir que le détecteur EMF a été laissé juste à côté de la poupée. Eh, mais attends, regarde Souka. En plus, c'est que je crois qu'il est en train de bouger le détecteur. Ça va dans le rouge? Mais c'est quoi ce délire? Ça veut dire quoi? Si jamais le détecteur se met à être dans le rouge, c'est que très mauvaise nouvelle, mercredi Adams est bien passé par ici et a absolument tout cassé. Même la table de Ouija est renversée. Regardez un petit peu la table de Ouija qui a été mise à l'envers. Vraiment les potes, c'est n'importe quoi. Moi ce que je te suggère, il y a la porte de sortie juste là-bas, on la prend et on se casse. Non 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 Souka, attends, mais t'es vraiment une chochotte comme ça. Tant qu'on est ici et que mercredi est là, moi ce que je te propose c'est qu'on l'attende et que pendant ce temps-là, on va s'amuser un petit peu à tous les jeux qu'on a autour. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, je sais pas trop, bah tu sais quoi, je te fais confiance mec, je te suis et on verra bien qu'est-ce qui se passera. Mais Souka, t'es en train de te dégonfler. Viens, on va jouer là, j'ai envie de jouer moi aussi. Souka, t'es obligé de venir sinon c'est que t'es une grosse chochotte. Bon, tu sais quoi, vous avez gagné, je viens, mais je veux que tout le monde qui regarde cette vidéo mette un like et s'abonne tout de suite. Et ben vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonne-toi, mets un pouce bleu et dès maintenant, c'est parti pour s'amuser un petit peu sur tous les jeux que nous avons ici. Premier jeu les amis qu'on peut voir, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une araignée géante, là où on peut escalader. Wow. Oh mais elle est immense, c'est trop stylé, c'est incroyable. Hey. Qui va réussir à escalader l'araignée géante les gars? Je donne les défis à Talcado ou à Souka, qui va y arriver? Bah, Talcado c'est le grand sportif du groupe, je pense qu'il y arrivera en premier. Non, en tout cas vraiment, tu me flattes là. Je pense que c'est Souka qui va y arriver en premier. On fait la course et le premier qui arrive a gagné. Oh les gars, par contre, vous savez que c'est quand même à plus de 4 mètres d'altitude. Regardez comment le point est super haut. Ah mec, mec, j'essaye. J'ai un petit peu du mal. Allez. Mais what? Mais Souka, t'as rien compris. C'est pas comme ça qu'on escalade. Bon, eh les gars, je crois qu'on va abandonner. On va passer à un autre jeu parce qu'ils ont pas l'air d'être très fameux à celui-là. Regardez un petit peu ce jeu, comment il est stylé. Souka, tu vas l'essayer celui-là. Mais il est trop bien, Tuner. C'est tellement bien. Eh, attendez les gars, mais je crois que Souka a trouvé son spot parfait pour dormir ce soir. Il s'est trouvé un hamac les gars. Ah, moi Tuner, je sais pas pour toi, mais je me sens très très bien ici. Souka, mais vas-y, moi je voulais trop m'asseoir sur son hamac là, t'es sérieux? T'as le cadeau, t'en penses quoi de son hamac? Bah, tu peux toujours le rejoindre, regarde, y'a un peu de place, non? Ouais, mais là ça... Bon, allez, je te rejoins Souka, c'est parti. Eh, y'a pas de place, on va casser le truc, les gars. Moi je pense que ce soir, je vais dormir sur ce petit hamac avec Souka. Non, 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 non
cadeau, faut que tu trouves toi aussi un endroit pour dormir. Regardez, je vais dormir sur le pont là, juste ici, regardez. T'as le cadeau, je suis pas sûr que le pont a l'air super confortable. Tu veux vraiment tester? Oui, mais regarde, je suis super bien ici, Twinner. Il est trop nul, regardez ce vieux pont, il a deux doigts de se casser. Mais mec, mais tu vas tellement mal dormir, tu vas avoir des courbatures toute la nuit. Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué en fait. En plus, c'est super mouillé, donc je pense que je vais peut-être changer d'endroit. Attends, mais regarde qu'est-ce que je viens de trouver sur la route. Mais c'est pas un tourniquet, c'est un truc qui tourne super vite. Comment ça s'appelle déjà? Mec, j'ai tellement envie qu'on se mette tous dedans et qu'on le fasse tourner à fond, ça vous dit ou pas? Oh, je suis trop chaud. Oh ouais, non, c'est il part pas mouillé. On vient de se mettre sur le tourniquet et là, je sens que ça va tourner vite. Oh, j'ai le tourni. Bah tu sais quoi, je commence à avoir sommeil moi. Bon, venez avec moi. Je vais mettre sur ce petit toboggan. Je risque d'avoir un petit peu froid, mais c'est pas grave, je le fais pour vous. Et aussi pour retrouver Mercredi Adams. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Voyons voir qu'est-ce que Souka a choisi comme endroit pour dormir, en tout cas. Moi, Tuner, on ne change pas une équipe qui gagne. Ah, j'ai mon canapé qui m'attend. Me réveille pas avant midi, allez. Bon bah, bonne nuit hein. Tuner mais les gars, il y a Mercredi Adams. Wow, Souka, toi aussi. Oh mec, Souka, toi aussi t'as vu Mercredi qui nous a attaqué? J'ai passé la pire nuit de ma vie en sursaut. Je sais pas, elle est où là? Bah je sais pas, elle est où, mais peut-être qu'elle peut être un petit peu autour de nous, non? Souka, tu la vois? Bon les amis, comme vous avez pu le voir, Mercredi est bel et bien dans ce parc hanté. Si tu veux pas retrouver Mercredi sous ton lit tout de suite, abonne-toi et mets tout de suite un pouce bleu. Il y a deux vidéos qui s'affichent à l'écran, appuie sur une des deux.